J'ai profité un petit peu du coin et de la région auprès de Toulon et ça m'a fait le plus grand bien, mais j'ai de suite enchaîné avec une reprise un petit peu anticipée pour arriver prêt avant la préparation en fait, parce qu'on sait que ça va attaquer très fort et qu'à un certain âge avancé, la récupération est toujours plus dure à digérer, donc voilà, j'ai voulu me lancer un nouveau défi et surtout d'arriver prêt. On va intégrer au compte-gouttes les joueurs qui ont terminé le championnat un peu plus tard que nous, et ensuite on va vraiment lancer officiellement le début de la préparation le 7 juillet. On va avoir un gros mois et demi où on va faire que de la prépa et du rugby sans le mettre en œuvre, et ensuite il y aura les test matchs, les matchs amicaux. Et ensuite le départ pour le Japon, donc ça va aller vraiment très très vite et de suite se focaliser sur ce premier objectif qui va être le premier match contre l'Argentine. Déjà aussi connaître un petit peu l'ensemble du staff parce qu'il y a eu un petit peu de renouveau et quelques changements. Ensuite, ça va être vraiment de cibler notre travail pour ceux qui ont des points faibles et essayer d'accentuer nos points forts pour être le meilleur possible et pour arriver le plus près possible.